Yo les gens, salut à tous, assalamu alaikum à tous mes frères et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Donc aujourd'hui les gars, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, une petite vidéo en personne où j'avais envie de vous faire part de quelque chose qui je pense pas vous fera plaisir pour la simple unique. Bah c'est dégoûtant, d'accord, c'est vraiment dégoûtant et je trouve ça super dommage d'en arriver. Je vous le promets, je voulais pas en parler, je voulais garder les choses pour moi. Au final on me fait passer pour un mec qui oublie sa communauté et qui en fait qu'à sa tête. Vous étiez nombreux à m'avoir fait part justement, TK, comment ça se fait, tu fais plus d'ouverture de colis? Je t'ai envoyé une lettre il y a une semaine, elle est toujours pas arrivée, comment ça se fait? Ouais, moi TK, moi je t'ai envoyé aussi une lettre, je t'ai envoyé un colis avec des cartes Pokémon dedans, comment ça se fait? Ouais, TK, moi je t'ai envoyé un jeu, comment ça se fait que je l'ai pas reçu? Nanana. Et bah pour la simple et unique raison, les frères. Je voulais pas en parler, je voulais garder ça pour moi. Et j'ai gardé ça enfoui de moi. C'est-à-dire, vous avez vu toutes les fois où je vous ai proposé des vidéos? Et bah dites-vous, je vous faisais des vidéos avec ça intérieur. Parce que je voulais pas dire, je voulais garder ça pour moi et pas forcément dénoncer. Maintenant j'en parle parce que justement, on me dit ouais, TK, t'en fais 4 à tête. Sachez les règles, j'en fais pas à ma tête. Aujourd'hui, regardez, tous les colis sont là. Ça, c'est celle d'aujourd'hui. Je les ai reçus aujourd'hui. Et vous savez où ce qui sont passés les autres? On les a tout simplement chourés. Il y a des gens, je sais pas d'où ils viennent. Ça se trouve, ils viennent de mon secteur. Ça se trouve, ils viennent de là. Ça se trouve, ils viennent de loin. Ça se trouve, ils ont parcouru je sais pas combien de kilomètres pour arriver jusqu'à chez moi, justement. Et pour justement ouvrir ma boîte lettres et prendre tous les colis qu'il y a à l'intérieur. Ce qu'il faut savoir, c'est que moi, le facteur, à la base, je suis pas là à l'attendre. Mis à part si j'attends un colis important, si j'attends un accessoire qui est très important. Ouais, limite, je me mets par la fenêtre et j'attends. Et ça, je pense qu'on le fait tous, d'accord? Mais le facteur, à la base, quand il passe chez moi, il passe toujours vers les alentours 10h, 10h30. Il est très matinal, notre facteur. Et moi, 10h, 10h30, je suis pas forcément à la maison. Je suis pas forcément en train de jouer. Parfois, je suis à la salle de sport. Parfois, je suis chez de la famille. Parfois, je suis en week-end, etc., etc. Donc, j'ai pas forcément toujours le temps d'aller veiller sur la boîte aux lettres, d'accord? Et il y a pas aussi longtemps que ça, bah, j'ai mon gardien qui m'a dit justement, Jawed, j'ai vu des gens mettre un bâton dans ta boîte aux lettres et prendre des lettres. Et quand je suis venu, ils sont partis en courant. C'est grave quand même. Wallah, que c'est grave. Vous vous imaginez ce que vous êtes en train de faire, les reilles? Vous êtes en train de venir chez une personne pour lui voler son courrier. Vous vous imaginez, les reilles? Vous savez quoi? Je vais vous faire une confidence. Wallah, que je vous offre que vous vouliez mes colis, enfin que les lettres, c'est pas un souci, c'est pas grave. Je m'expliquerai, limite je mettrai la faute sur moi. Je dirais, ouais, je sais pas, je les ai perdus ou et vous m'avez énervé, je les ai cramés. Limite je remets la faute sur moi, c'est pas un souci. Je suis pas une poucave. J'ai jamais donné en ce qui que ce soit. Quand on m'a amené la bac, etc. J'ai jamais fait quoi que ce soit. Parmi ces lettres, ça se trouve, il y a des lettres importantes. Ça se trouve, il y a des lettres qui viennent des hôpitaux pour mon père, pour ses radios. Si vous voyez des choses qui sont pas à mon prénom, laissez-les. Ça se trouve, c'est à mon grand-père, c'est à ma grand-mère. Ça se trouve, c'est un autre membre de la famille. Pensez à ce genre de choses, les Oh là, j'espère juste que vos familles sont pas au courant de ce que vous faites. Parce que si c'est le cas, s'ils sont au courant de ce que vous faites là actuellement, je me demande comment ils ont fait pour vous laisser dans le livret de famille encore. Imaginez la scène, c'est-à-dire de prendre le temps de se lever le matin, se dire bah tiens aujourd'hui on va faire ce qu'on avait dit avec les copains, on va aller chez Jawed, on va voir s'il y a des lettres et prendre s'il y a du courrier. Leicester, Allah, qu'Allah vous guérisse de cette maladie les reyes. C'est extrêmement grave ce que vous faites. Alors pour les gens qui se poseraient maintenant la question où sont vos colis, bah je sais pas, demander à ces inconnus, je sais pas. Aujourd'hui j'ai fait exprès de rester tôt. La scène que j'ai fait, hein, je me suis levé tôt le bonheur. Je suis arrivé à peu près 30 minutes en avance avant que le facteur il arrive. Je suis resté à côté de mon bâtiment comme ça et j'attendais qu'il arrive. Le monsieur, du courrier pour vous. Ah, bizarrement, putain, ça fait quelle. C'est bizarre que je n'ai pas reçu avant-hier et hier et tout ça. On s'amuse à me pécho du courrier. Même si une personne donne son adresse, il dit ouais, mais t'as qu'à pas donner ton adresse. Mais même c'est pas une raison pour. Même si le mec il a fait une faute en donnant son adresse, c'est pour autant toi tu vas aller chez la personne aller prendre son courrier. T'imagines, c'est ton père, il attend un courrier important, une convocation au tribunal ou des résultats de radio, un rendez-vous pour un passeport, pour une carte d'identité, rendez-vous chez la banque. Et le jour où pas tes lettres, il dit comment ça se fait que j'ai pas reçu encore les lettres. Moi encore ça va parce que tous mes courriers que je peux recevoir, je reçois toujours par mail. Mes factures internet, mes factures de téléphone, je reçois tout sur internet. Heureusement que j'ai pas de courrier. Les seuls trucs qui m'arrivent par courrier, c'est comment on appelle ça, les avis d'imposition, un truc comme ça. Pôle emploi, tout ce qui est du pôle emploi, c'est tous par mail. Heureusement, tu vois, c'est chaud. Moi tout ce qui m'arrive à la maison, c'est uniquement les avis d'imposition. Ici c'est pas mes trucs d'avis d'imposition, c'est les lettres de ma MIFA. Leicester, oh là, vous me dégoûtez. Je vois votre visage, si je sais que chez vous, je vous pardonnerai, je vomirai par dégoût. C'est une honte, bande de hayawan que vous êtes. Et après ça, vous allez oser vous regarder devant un miroir. Et wallah l'adim, j'espère juste que vous êtes pas des rebeux entre nous. Mais mouche, Leicester, ça, j'en dirai pas plus. En plus, ma soeur me l'avait dit. Ma soeur, l'autre fois, je lui ai crié dessus parce que Meskana a intercepté des lettres à la maison et je l'ai gueulé dessus. Ma soeur Meskana, c'est limite, j'ai failli la faire chialer. Voilà, elle m'a dit, ouais, j'avais peur qu'il t'envoie des trucs bizarres, qu'il t'envoie de la cocaïne ou qu'il t'envoie des trucs. Leicester, Leicester. Après, depuis Meskana, tu vois, elle m'a dit, t'inquiète pas, c'est pour moi. J'ai pas de soucis, t'inquiète pas. Regardez comment vous avez vu comment je garde les choses pour moi. À la base, je voulais même pas faire cette putain de vidéo. C'est juste qu'au final, on me dit, ouais, Jawed, on t'envoie des trucs, on prend le temps d'envoyer des trucs, mais tu le fais pas. Je me fais passer pour quoi, moi, pour un mec qui vole les gens? Je vous ai promis justement que vous m'envoyez des courriers. Moi, au final, j'en fais un déballage sur ma chaîne YouTube, tranquillement, normalou. Et, wesh, mon frère, c'est chaud. Après,
Après, maintenant je sais pas sous vous ce que vous m'avez envoyé. Peut-être certains m'ont envoyé des lettres, d'autres des dessins, l'autre il m'a envoyé peut-être des jeux, l'autre il m'a envoyé un colis, je sais pas ce qu'il y avait dedans. Sans se trouver, l'autre, quelqu'un m'a envoyé un autre portrait, l'autre ça se trouve il m'a envoyé un t-shirt. Je suis désolé. Maintenant, si je peux vous passer un message par rapport à ça, les Rey, pour toutes les personnes qui n'ont pas vu leur colis sur ma chaîne YouTube, ne m'envoyez rien. Vous l'avez fait une fois. Si vous savez que au plus profond de vous, vous avez envoyé un colis de bon cœur envers mon égard, c'est bon, vous avez plus rien à faire. Vous avez envoyé et puis tout se paye, hein, de ces quatre. C'est ce qu'ils ont fait, c'est ils ont gagné aucune richesse par rapport à ça. Ils l'emporteront pas au paradis aussi. Allez chez les gens, vous vous rendez compte de cette situation là. Tout ce que je vous demande, c'est d'imaginer la scène. Les mecs, comment ils ont fait, Zama, tu sais, un mec qui surveille la porte, l'autre qui était avec un petit bâton pour prendre les lettres. La honte. Wallah, là. Vous me dégoûtez. Votre visage, faut même pas que je le voie. Wallah, j'ai Leicester. Encore qui m'arrive, moi, des trucs. Je m'en bats la race. Mais là, wallah, vous volez le temps aux gens. T'as des gens, ils ont écrit M'Saken, d'autres, il a mis 10 minutes à écrire. Ça se trouve, un mec, il m'appréciait pas, il a une confidence sur une lettre et vous lui avez volé son temps. C'est le temps des gens que vous avez volé, les Rey. Wallah, chaume alaikum. Ayez honte, ayez pitié des gens, soyez un minimum ancienne génération dans vos têtes, là. Et wallah, je suis sûr, parmi ces gens-là qui ont fait ça, wallah, je suis sûr, bande de sales bâtards, autant que vous êtes les premiers à critiquer sur mes vidéos, bande de sales chiens, va. Honte à vous, va. Bande de sales bâtards, va. Je vous hais. Wallah, ah, ça se dit pas par contre. J'en ferai un déballage, promis, les Rey. Je vous oublie pas. C'est tout ce que j'avais envie de vous dire. Ah oui, encore une petite chose. Oui, mais pourquoi t'insistes? Pourquoi à chaque fois t'insistes sur ta communauté, les rebeux? On se comprend, vous inquiétez pas. J'ai rien contre les Français qui n'ont pas d'origine maghrébine. J'ai rien contre vous. Mais on se comprend entre nous. C'est que entre nous, faut pas qu'on se fasse des choses sales. Pourquoi? Je vais vous expliquer. Parce qu'on se fait montrer du doigt. Ils diront: regardez-moi ces Hayawen, regardez-moi ces Arabes, regardez ce qu'ils se font entre eux. Ouais, c'est ça dont je veux faire comprendre les gens. Qui m'aiment pas, c'est une chose. On peut pas aimer tout le monde, on peut pas apprécier tout le monde. Ça fait partie de la vie. Mais faire des coups de crasse bénettes, non, comme ça, c'est honte. Oh là, Adem, vous devrez m'embrasser la main pour toutes les fois les crasses qu'on m'a faites. Mais j'ai jamais rien dit. Comme Hada, vous devez vous dire, Hada, comment il fait pour supporter ce genre de charge? On lui ramène ci, on lui ramène ça, on lui ramène des commandes, on lui ramène les keufs, on lui ramène ci, on lui vole des colis. Et wesh, le mec il part pas plein. Et je descends pas mes refs, moi. Allez là, ma dignité. Schlag que vous êtes. Regardez comme ta face comme. Hop, 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 les Rey, juste quelques petites secondes. Donc, si vous avez pas vu mon avant-dernière vidéo, je vous invite tout simplement à cliquer ici. Et si t'es toujours pas abonné à ma chaîne YouTube, je t'invite tout simplement à cliquer ici. Je vous dis tout simplement à très bientôt, Inch'Allah. Soyez à la fin comme ta face comme. Ciao, bye, c'est merde.